Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petit live sur Beyond Two Souls. Vous voyez derrière moi, il y a des effets un peu chelous. Voilà. La magie du fond vert, n'est-ce pas? On va changer un petit peu, voir ce que ça donne pour les lives, voir si le fond vert est mieux ou pas. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ou ceux qui viendront sur le live. De toute façon, je poserai la question dès qu'il y aura quelqu'un. Voir si je laisse le fond vert ou pas. Aujourd'hui, petit live du coup sur Beyond Two Souls. On va continuer l'aventure de Jody. Donc la dernière fois, du coup, on avait fait quoi? Oui, on avait fait la version clochard de Jody. On a fait quoi? On a fait l'aumône, je crois. Je crois que c'est l'aumône quand on demande de l'argent. Je suis pas sûr. On a fait quoi? On a fait... Bah, on a pris de l'argent dans un distributeur. On l'a donné à Stan, je crois, le mémoire qui s'appelle, pour qu'il puisse acheter de la bouffe pour tout le monde. Et Stan, c'est celui qui nous a sauvés du froid. On a rencontré un drogué, un ancien prof, je crois, de mémoire, et une nana qui se faisait tabasser par son mec parce qu'elle était enceinte. Elle était enceinte et elle se faisait tabasser par son mec. Sauf que le soir même où du coup on a fait l'aumône, on a pris l'argent, Stan est parti faire les courses. Il s'est fait agresser par des mecs, on les a déglingués. Je me suis pris 2 ou 3 coups de mémoire. On a fait quoi d'autre? On a mangé avec tout le monde. On a fait parler la femme de Stan à travers Jody. Pour lui dire qu'il fallait qu'il reprenne sa vie en main, qu'il fallait pas qu'il vive sur le passé. Après on part se coucher, quelques temps après on se fait réveiller par des cris de douleur. Donc en fait c'est la nana qui était sur le point d'accoucher. Donc avec Stan on va piller le magasin, malheureusement on n'a pas le choix. Pour avoir tout ce qu'il faut pour que la fille puisse accoucher sans problème. Et après, on a fait. Du coup, bah, on l'a aidé à accoucher. La maison, elle a commencé. La baraque où on était. Enfin, la baraque. L'immeuble où on était a commencé à cramer. On sait pas pour, je sais toujours pas pourquoi d'ailleurs. Mon avis, c'est le drogué. Enfin, il y avait une lanterne. Avec du feu, évidemment. Donc, je sais pas qui l'a fait tomber, mais elle est tombée. On sort et on se fait défoncer par. Par les mecs du coup on a déglingué. On est dans le coma pendant un an et demi, un truc comme ça, ou 6 mois peut-être, je sais plus, enfin bref. Du coup Stan il a repris sa vie en main, il a retrouvé un boulot, tout le monde va mieux. La fille avait repris son nom parce qu'elle se faisait pas appeler par son vrai prénom, enfin bref. Tout un bordel, n'est-ce pas? Du coup, sans plus tarder, je vais vous lancer le jeu. Vous voyez, là, je n'ai plus le contour. Je vais essayer comme ça, on va voir ce que ça donne. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Du coup, on est parti. Première nuit. Ah oui, parce que du coup, nos parents adoptifs nous ont lâchés. On avait vu la cinématique de nos parents qui nous lâchent. Nos parents adoptifs, pardon. Nous lâchent... comment? Dans l'espèce de... espèce d'hôpital ou de structure chelou, je sais pas ce que c'était. Mais concrètement, on a appris aussi que nos parents, bah c'était pas nos parents, c'était nos parents adoptifs. Hein, pas ouf. Allez, faut que je trouve un endroit pour me changer. Ouais, mais il y a des caméras partout, là c'est malsain de ouf. Je vais juste prendre une des oreillettes pour avoir le son du jeu quand même, malgré tout. Ok, c'est celle-là. Hop, voilà. Ça a commencé quand, ces attaques? Sa mère m'a expliqué que ça durait depuis plusieurs mois maintenant.
Au début, elle pensait que c'était de simples cauchemars et que ça finirait par s'arrêter. Mmh. Mais elle s'est rendue compte que c'était plus compliqué que ça. Ces marques qu'elle a partout. On dirait des griffures ou des morsures. Regarde un peu l'emplacement de ses blessures. Elle n'a pas pu se faire ça elle-même. Mais ça ne ressemble pas à des maltraitances. Peut-être qu'elle dit la vérité. Peut-être que quelque chose essaie de la tuer. Bravo. Quoi qu'il en soit, on peut dire que cette gamine a du cran. Oui. Ah, je peux pas y croire. Elle a un profil psychologique très intéressant pour une gamine de son âge, ça c'est certain. Autre chose à dire ? T'as l'air mort. Non, pas pas trop posé un peu, je reste de garde. Je te réveille à 3h, ça te va ? D'accord. Bonne nuit, Cole. Bonne nuit, Nathan. Ok, lui du coup s'appelle Nathan. Ah! J'espère qu'ils ont pas mis de caméra ici aussi. Ça serait un peu malsain. Un ordinateur? Oh putain, elle a de la chance la gosse. À son âge, j'avais pas le droit de toucher le PC, moi. C'est l'heure d'aller se coucher, Jody. Allez, viens, monsieur Lapinou. On va voir où on va dormir ce soir. Attends, un micro-ondes dans une chambre avec un gosse? Une plaque de cuisson avec un gosse? Mais tu ne... Ah, j'ai pas le droit d'éteindre la lumière apparemment, je peux aller me faire foutre. Le lit de merde que ça a l'air. Je vais éteindre la lumière maintenant. Bonne nuit, Jody. Attendez! Laissez la lumière dans le couloir. J'aime pas quand il fait noir. D'accord. Ça va comme ça? Oui. Bonne nuit. Bonne nuit. Y'a que moi qui trouve ça malsain. N'aie pas peur, Aiden. On va dormir tranquillement. Il ne nous arrivera rien de mal. J'arrive pas à dormir, Aiden. Je crois que j'ai besoin d'une histoire. Un truc qui pue. T'as dû trouver de l'aide, Aiden.
la lâches, sale bête. Tu la lâches, sale bête, je t'ai dit. Lâche-la. Tu la laisses. Tu la laisses. Laisse la gosse tranquille. Tu la laisses, tu la laisses, la laisses. C'est violent un peu. Oh non, Jody! Appelle un médecin, vite! C'est bon, tout va s'arranger. Aiden n'a plus peur des monstres maintenant. Mais du coup, c'est qui Aiden? On sait du coup qu'il vient d'un autre univers. On sait qu'il vient d'un autre univers parce qu'on l'a appris dans le dernier épisode. Dawkins, les parents non espionnés. Ah putain, merde! Ah, on pouvait espionner les parents, je savais pas. Une fille comme les autres. Non. Je t'ai dit non, inutile d'insister. Je t'en prie, Nathan, juste ce soir. Il y a toutes les autres filles de ma classe qui vont y aller et je reviendrai pas tard, c'est promis, d'accord? Tu ne me feras pas changer d'avis, Jody. C'est vraiment pas juste! Comment ça se fait que je dois rester ici alors que tout le monde y va? C'est vrai quoi. Enfin, la semaine, je fais tout ce que vous me demandez. Et en récompense, j'ai jamais le droit de m'amuser. Pour la centième fois, tu sais que tu n'es pas comme tout le monde, Jody. Il y a des règles. Ouais, bah j'ai pas demandé à être différente. J'ai juste envie de sortir et d'avoir des amis et d'être comme toutes les autres filles de mon âge. Tu ne pourras jamais être comme elle. Il faut que tu te fasses à cette idée. On se te dégaine. Bonne nuit. Salut Cole. Je suis juste à côté. Appelle-moi si tu veux quelque chose. Poste Tekken, ça lui va pas. C'est quoi ça? Arrête un peu, Jody. Tu sais très bien que ça ne sert à rien. Tu peux pas sortir. Point final. Je suis désolé, Jody, mais cette coupe de cheveux ne te va pas du tout.
Encore un samedi soir que je vais passer enfermée ici. Putain, tout ce que je veux, c'est sortir et m'amuser un peu. Je peux rien faire pour toi, ma belle. C'est le règlement. S'il te plaît. Sois sympa, Cole. S'il te plaît. S'il te plaît, laisse-moi sortir juste ce soir. Pourquoi tu serais obligée de tout raconter à Nathan? Je suis désolée, princesse. Mais ça sert à rien. J'obéis aux ordres. Hey, tu restes poli avec moi, Jody, d'accord? Il est sérieux. Tu as fini? T'es fier de ce que t'as fait? J'espère bien, parce que tu vas devoir ranger tout ce foutoir. Tout ce qu'il y a dans cette putain de pièce. Va falloir trouver autre chose si ça fonctionne pas. Oui. Oui, elle s'est calmée. Elle a d'abord ravagé l'appartement, mais... elle s'est calmée. Ok. Tiens, je serais refait, moi, avec un appart aussi grand que ça, hein, gratos, hein. Je suis vraiment désolée, Cole. Je m'en veux vraiment de te faire ça, mais... tu me comprends, pas vrai? Je dois sortir ce soir. Je pense que je finis cet épisode et j'arrêterai parce que... c'est... Évidemment. Je pense qu'en vrai, là, s'il y avait eu quelqu'un avec moi, il aurait déplacé Cole, du coup. Bizarre, mais bon, pourquoi pas. Eh, hey, salut Cole, Jody. Il est pas un peu tard pour se promener? Cole voulait juste m'emmener regarder les étoiles dehors. Apparemment, il y a des tonnes d'étoiles filantes ce soir. Est-ce que t'en as repéré? Je sais pas si le professeur Dawkins sera d'accord pour que tu sortes au beau milieu de la nuit. Oh, s'il te plaît. Allez, quoi. C'est juste l'histoire de quelques minutes et Cole est avec moi et... J'ai encore jamais vu d'étoiles filantes. D'accord.
allez-y, je ferai semblant de ne pas vous avoir vu. Quoi de neuf, Cole? T'as perdu ta langue? Ok. Il n'est pas trop d'humeur à discuter aujourd'hui. Je crois que sa grand-mère est morte. Un truc comme ça. Il a plus de voix. Il a attrapé un virus, je crois bien. Alors, le pauvre, j'ai pas réussi à lui faire dire quoi que ce soit depuis des heures, alors... J'espère que c'est pas contagieux, au moins. Tu devrais aller te coucher, si tu veux, mon avis. C'est plus prudent pour nous. Bon, très bien. Allez-y. Ok. Vous pouvez y aller. Je crois que j'ai fait la mauvaise... Au moins, on n'a pas à chercher la voiture de Cole. Il y a des caméras partout. Je ferais bien de pas trop m'éterniser dans le coin. Arrête, je vais pas conduire. Monte dans la voiture et ensuite démarre. Oh non, merde. Je suis vraiment pas bien cachée là. Dans le coffre. C'est sûr, c'est pas une évasion très classe, mais on s'en fout. Allez, on y va, Aiden. Évite d'attirer l'attention, d'accord? Non, ça a rien à voir, voilà. C'est quoi que j'ai fait tomber? T'es un peu dans l'autre sens, ma grande, par contre. Tu me pardonneras, hein. J'en ai pas pour longtemps. Ça va aller, tout ira bien. Aiden, emmène-le dans la forêt et veille bien sur lui. Je croyais qu'il y avait une limite de distance. Ah putain, me dis pas que c'est comme ça qu'il va crever. Bon, bah c'est comme ça qu'il va crever. On est arrivé. Les filles sont sûrement déjà à l'intérieur. Ils sont pas arrivés. On va attendre. Non, moi je veux cette place là, moi j'aime bien être sur les bains.
quel âge vous avez? J'ai 21 ans. Je veux juste une limonade. J'ai crotté, si jamais tu peux monter très légèrement le son du jeu parce qu'on entend pas beaucoup. Ok. Super, je vais pas monter le son de... comme ça. Yes. Hop, voilà. Putain, elle a plus de la limonade comme si c'était un putain de verre d'eau. Ah, je pouvais pas aller au toilette. Oui, je suis au courant. Nathan va être furax. J'espère que ça vaut le coup. Attends, mais il était pas censé être avec Cole, lui ? Aucune idée. D'être bien qu'elle veut qu'on lui tienne compagnie. Putain, tu sais quoi? Je crois que je menacerais bien cette petite salope. Que de la gueule, Earl. Finis ta bière. Ferme-la. N'essaie pas de me faire croire qu'elle te fait pas de l'effet, mon pote. C'est clair qu'on peut se demander ce qu'elle fout ici à 7 heures de la nuit. Putain, est-ce que t'as vu joli petit cul, mon vieux? Des emmerdes. Le partenaire. Non, en fait, je préférerais jouer toute seule, si ça vous dérange pas. Oh, tu veux jouer au billard toute seule? Il faudrait deux pour jouer à ce jeu. Les dames d'abord. Qu'est-ce que t'es venue faire ici, toute seule? Rien de spécial. C'est juste un samedi soir parfaitement normal. Avec quelques copines. Bruh, oh là là, le cliché. Tu veux que je te dise? Je te trouve un peu jeune pour être ici. Putain, ça peut te foutre, t'es de la police?
T'as quel âge? J'ai 21 ans. Waouh! Là, tu m'épates! Tes parents savent que t'es ici? Ouais. En fait, ils m'ont déposé. Et ils vont revenir. Je suis sûre qu'ils vont pas tarder à venir me récupérer. Hé hey, laisse-moi tranquille. Allez, ma belle, je suis sûre que t'en meurs d'envie. Qui est là? Vas-y, joue. Où est-ce que tu te bloques? Ramène-toi! Viens là, espèce de trouillard! Faut qu'on se tire de là, vieux. J'aime pas ça. C'est pas le moment de se dégonfler, Franck. Je dois, mais pas. Oh, on dirait un putain d'esprit qui vient nous punir pour nos péchés. Putain, Earl, j'ai pas envie de mourir. Personne va mourir. On va foutre le camp d'ici. C'est pas vrai! C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu fous, Sam? Ouvre cette putain de porte! Je peux pas! C'est passé! Dégage-la! Je vais la défoncer! Allez, Earl! Non. Je vais rien faire. Mais vite! Jody! Je suis là. Est-ce que tu vas bien? Bon sang, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je voulais juste sortir. Et être comme tout le monde pour une fois. Oh, je sais. Ça va aller. Qui vont renvoyer Cole. C'est pas sa faute, hein, au cas où. Hein. Il a été contrôlé par Aiden, hein, si jamais. Hein. Alors. Garde évitée, client espionné, attaquant repoussé, faufilé ou précipité hors de la DPA. Restez dans le bar. Ah putain, j'aurais pu me barrer. A laisser les attaquants s'échapper. Putain, j'aurais pu quitter le bar. Merde! Si j'avais su ça, je me serais barré. Hein. Merde. Me parle pas, toi. Je ne sais pas comment te dire ça, Jody, alors j'irai droit au but. T'as été adopté? Oui, bah oui, merci, je suis déjà au courant. Ta mère et moi, on a été transférés, on quitte la base. On voudrait t'emmener avec nous, mais on pense que... En fait, tout le monde pense que ce serait bien mieux pour toi de rester ici avec le professeur Dawkins. Connard.
Bien sûr, on te rendra visite le plus souvent possible. Et quand tu iras mieux, tu nous rejoindras dans la nouvelle maison. Oui, bien sûr. Ils sont jamais revenus, hein, spoiler alerte. Hein. C'est sûr. Je crois que c'est mieux comme ça. Au revoir, Jody. Voilà. Adopter des gosses et dégager-les quand ça va pas. Courage, yes. Mon cœur. Ouais, d'accord. Ta gueule, toi. Je sais que c'est difficile. Merde. Mais je suis sûr que tout ira bien. Oui, bah oui, bien sûr. Bon, c'est pas ma mère, on doit y aller. C'est pas ma mère, Suzanne, qui s'apprête faute. Laisse-moi une minute, Philippe. Ça suffit, on y va. Ah, il parle vachement comme un père qui laisse sa fille pas par choix. Hein. Oh, attends. Elle a essayé de me tuer! C'est le démon, cette gamine! T'es un monstre, Johnny! T'entends? T'es un monstre! C'est pas vrai. Johnny. Johnny. Je sais ce que tu ressens. J'ai aucun remords à avoir fait ça. Mais c'est bien, tu as fait le bon choix. J'ai aucun remords à faire ce que je viens de faire. Ah, c'était juste ça. D'accord. Alors, par contre, je veux pas être méchant, mais cette phase, elle servait à quoi au final, quoi? Ça servait à rien, quoi, au final. Écoute, je suis complètement crevée, là. Et j'ai soif. Et j'ai aucune putain d'idée de l'endroit où on est. Alors vas-y, sois sympa et fous-moi la paix, ok? Bon, de toute façon, comme j'ai prévu, je vais m'arrêter là. Du coup, merci d'avoir regardé ce nouvel épisode de Beyond Two Souls. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir comme d'habitude. On se retrouve peut-être ce soir pour je sais pas quoi, pour je sais pas quel jeu. Peut-être pas du Phasmo, parce qu'on en a fait 3 jours d'affilée, 2-3 jours d'affilée, je crois, à part le samedi. Je sais pas, on verra bien, vous verrez bien. Si c'est du Phasmo, ce sera peut-être pas forcément avec les mêmes que d'habitude, parce que j'ai aussi, peut-être, je crois, 2 membres de la pépinière qui veulent faire du Phasmo dans la semaine. Donc, je voyais avec eux quand est-ce qu'ils sont ok. Du coup, voilà, je pense que c'est tout. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne fin de journée sur laquelle vous regarderez cette vidéo. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Bye bye à tous.